Ce lundi 5 février, Christophe Beaugrand faisait partie de la bande des grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Au cours de l'émission, le chroniqueur de Bruce Toussaint dans Bonjour s'est quelque peu amusé des faibles audiences de la matinale de TF1. Bruce Toussaint est à la présentation de Bonjour, la nouvelle matinale de TF1, depuis un mois maintenant. Télé Loisirs s'est intéressé de près aux audiences de l'émission qui réunit en moyenne 277 000 curieux chaque jour, soit 8,5% de l'ensemble du public. Cependant, si ce score est bien meilleur que celui de l'année dernière, ils arrivent loin derrière Télématin qui est suivi par 700 000 téléspectateurs, 22,8% de la part d'audience. Un bilan mitigé pour l'ambitieuse matinale lancée le mois dernier. Ce lundi 5 février, Christophe Beaugrand faisait partie de la bande des grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Au cours de l'émission, le présentateur a lancé quelques piques aux chroniqueurs de Bruce Toussaint, lui signalant que les chroniqueurs ne faisaient pas bien leur travail dans la matinale. J'ai été surpris parce que je vous ai regardé chez Bruce Toussaint ce matin, a-t-il commencé, avant d'être coupé par Christophe Beaugrand qui s'est amusé des faibles audiences du programme. Ah, bah, merci, c'est gentil. On a doublé l'audience, merci. Vous avez raison, Christophe Beaugrand réagit au pic de Laurent Ruquier sur le manque de professionnalisme de l'équipe de Bonjour. Laurent Ruquier a ensuite expliqué que les chroniqueurs de la matinale n'avaient pas relevé pendant l'entretien de Clémentine Célarier présente sur le plateau de TF1 son petit clin d'œil à Dominique Besnéard qui fêtait ce jour-là son anniversaire. Il y a personne autour de la table, ce qui prouve que personne ne bosse dans cette émission, qui a dit, on en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Pour une émission quotidienne qui s'appelle Bonjour. Et qui est une matinale. Ce n'est pas travailler votre truc, a pointé du doigt l'animateur radio qui intègre l'équipe de Mask Singer. Face à cette pique du présentateur, Christophe Beaugrand a assuré, vous avez raison. Ce n'est pas moi qui présente, Christophe Beaugrand se dédouane des faibles audiences de la matinale de TF1 dans la dernière partie des grosses têtes, l'équipe a accueilli la chanteuse Barbara Pravi qui a interprété en live son dernier titre Bravo. L'artiste qui a représenté en 2021 la France à l'Eurovision est actuellement en pleine tournée promotionnelle pour sa chanson à la radio. Alors Jérémy Ferrari lui a fait une recommandation. Si vous voulez vraiment une bonne promo, il y a la matinale de Christophe Beaugrand, a-t-il assuré, amusé. Christophe Beaugrand a tout de suite tenu à se dédouaner de la situation et des remarques de ses confrères, ce n'est pas moi qui présente. C'est Bruce Toussaint.